Je dégaine mon katana, vous mourrez, tous les deux. Ah, ça y est, je me rappelle maintenant, c'est la percée de côté. Hein? Quoi, tu te rappelles pas? Mais si, bien sûr. Ah, je me sens mieux tout d'un coup. Allons-y! Arrêtez, ne m'obligez pas à vous tuer. Les imbéciles. Quoi? Ils ont réussi à s'échapper en défonçant le mur. Lequel je poursuis? Rien à faire. Un coup de pied suffit à faire voler ces portes en éclats. Mais en les poursuivant par là, j'arriverai à les prendre au piège. Et en plus, ils continuent. Quoi? Ici aussi? Si celui qui a les yeux en amande est descendu, dans ce cas, je n'ai qu'à suivre l'autre. Oh, c'est pas vrai, rien ne l'arrête. Où est-il? Il se cache grâce aux Zetsu. Kilua! Kilua! Oui, je suis là! Quoi? C'est pas vrai! Mais où ils sont passés? Oh. Ah oui, je vois. Le dernier trou n'était en fait qu'un leurre. Il a défoncé le mur et s'est caché dans la pièce. Et ensuite, il s'est enfui après mon passage. Le petit fumier. Viens, Kilua, on va l'attaquer! À nous deux, on l'aura! Ils se cachent dans l'obscurité et attendent le moment pour se jeter sur moi. Espèce d'imbécile. Ils ignorent qu'au-dessus du Ten et du Ren, il y a le N. L'aura qui enveloppe notre corps peut être amplifiée autant que nécessaire, bien au-delà de son rayon habituel. Avec une aura étendue, on est capable de ressentir tout ce qui se trouve dans le périmètre du N. Les spécialistes du genre arrivent à créer des haines dont le rayon peut atteindre 50 mètres. Moi, je ne perçois que ce qui se trouve dans le rayon d'action de mon katana. Mais c'est amplement suffisant pour déceler le moindre bruit, la moindre présence et tuer tout ce qui s'y trouve. Approchez! Je suis prêt. Pauvre crétin, va! Tu croyais peut-être qu'on allait rester enfermé dans cette hall? Tu n'as qu'à rester y croupir, toi et ton espèce de queue de cheval grotesque. Franchement, tu abuses. Je voulais l'éliminer avant de partir. Bah voyons, je t'arrête tout de suite. Tu n'avais aucune chance. Même en s'y mettant à deux, ils nous auraient massacrés. T'en es sûr? C'est ça. On ne connaît que les bases du naine. On n'aurait pas fait le poids contre ce type. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu ricanes? Le bon vieux Kilua a repris le dessus, ça me rassure. Foncer tête baissée, c'est ma spécialité. Heureusement que t'es là avec ton sang-froid pour veiller au grain. Ça maintient l'équilibre. Et pour la peine, je te laisse décider de la suite. Tu veux que je décide tout seul, c'est ça? Alors? Qu'est-ce qu'on fait? Je ne sais pas, tout dépend de ce que tu veux. Qu'est-ce que tu proposes, toi? Je propose d'aller liquider ce type. Je m'en doutais. Dans un sens, ça cadre assez bien avec notre objectif de départ. Si on arrive à capturer trois de ces types, on empochera 6 milliards. Seulement, pour y parvenir, il faut à tout prix développer notre naine. Il doit exister une sorte de potentiel, une force qui nous permettra de l'attaquer face à face. Si on veut en savoir plus, autant demander directement à Kurapika. Et pourquoi? Parce que le fameux type aux chaînes qu'il traque sans relâche, c'est Kurapika. Quoi? Je savais bien que tu n'avais rien compris. Kurapika? Ah bon, tu crois que c'est lui qui a liquidé le type de la brigade fantôme? Oui, ça ne fait quasiment aucun doute. Même si, je dois l'avouer, j'ignore ce qui s'est réellement passé dans les faits.
Il faut le retrouver. Si, comme je le pense, c'est Kurapika qui a fait ça, alors nous aussi on a nos chances. Pour une raison toute simple, c'est qu'il a commencé l'apprentissage du naine en même temps que nous. Et je me dis que si lui, il en est capable, c'est donc à notre portée. Seulement, ce ne sera possible qu'à une condition. On doit d'abord apprendre à développer notre naine si on veut vaincre la brigade. Et donc, si je suis ton raisonnement, Kurapika est le seul à pouvoir nous aider. Tout juste. C'est grâce à toi et à tes conseils que nous avons pu réussir toutes ces épreuves. Nous deviendrons Hunter ensemble. Il faut retrouver Kurapika. Bien, nous sommes tous là, je crois. Les 10 anciens nous ont confié une mission qui se résume en quelques mots. L'élimination de la brigade fantôme, et ce jusqu'au dernier membre. Pour commencer, on sait où les trouver. Il y a fort à parier qu'ils se rendront à la vente aux enchères de ce soir qui se déroulera au Cemetery Building. Il faudra les liquider dès qu'ils auront passé la porte du bâtiment. Je vous laisse décider vous-même de la méthode à employer pour le faire. Vous avez carte blanche. Ce qui compte, c'est d'atteindre l'objectif. Pour le reste, débrouillez-vous comme vous voulez. Bien, je ne vois rien d'autre à ajouter. Vous avez des questions? Personnellement, je souhaiterais qu'on me donne un plan détaillé de l'immeuble. Et aussi celui des alentours. Vous ne nous avez pas dit quels seraient nos noms de code. On pourrait choisir des couleurs. Moi, ce sera jaune. Moi, vous m'appellerez bleu. Et moi, rouge. Ça vous amuse, ce petit jeu puéril? Hein? Qu'est-ce que tu dis, toi? C'est quoi, votre code? Moi, c'est Sylva. Et moi, c'est Zeno. Sylva et Zeno? Comment? Ce sont des couleurs, ça? Il n'y a pas de couleurs qui tiennent, ce sont nos noms, tout simplement. Je révèle mon nom parce que je l'ai décidé. En revanche, je n'accepte aucun ordre. Et en ce qui nous concerne, on utilisera nos propres méthodes. Sylva et Zeno. Attendez, vous faites partie de la famille Zoaldiek? Oui, c'est exact. Quoi? Les Zoaldiek, c'est vrai? Vous êtes de ceux dont personne n'a jamais pu voir les visages? On ne se déguise jamais, pourtant. On ne fait pas d'efforts particuliers pour passer incognito. Une minute, c'est réellement votre nom de famille ou il s'agit seulement de nom de code? Tu veux quoi? Une carte de visite avec nos coordonnées complètes? Ça tombe bien, j'en ai justement une sous la main. Si vous avez quelqu'un à descendre, faites-nous signe. On vous fera 30% de ristourne, c'est promis. Ils sont de la famille de Killua. Je me disais aussi, il est évident que ces deux-là en imposent plus que tous les autres. Et pourtant, les types ici présents sont des professionnels de haut niveau. Malgré tout, les Zoaldiek font valoir leur supériorité. Ils les intimident tous. À part peut-être ces deux types. Eux, ils pourraient leur tenir tête. Quoi qu'il en soit, nos noms sont sans importance. Puisque de toute façon, on n'aura pas à s'appeler. Je considère que chacun est libre d'agir à sa guise, point final. Oui, je suis d'accord. C'est mieux ainsi. Chacun suivra sa méthode et ses opinions. À commencer par moi. On a affaire à la brigade et combattre seul chacun de son côté, c'est très dangereux. C'est vrai, si on veut arriver à nos fins, il faut un minimum de collaboration. Une collaboration, tu dis? Vraiment? Et toi, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Eh bien moi, je dirais qu'une collaboration hasardeuse et maladroite est trop risquée. Et que si cette dernière s'avère vraiment indispensable, autant s'adresser directement à la mafia. De plus, agir individuellement a au moins le mérite d'éviter les désaccords. Pour ma part, je n'ai besoin de personne. Dans ce cas, ce sera 5 contre 4. Ceux qui le désirent sont libres de faire équipe. Oui, exactement. Les enchères débutent à 9h, c'est ça? Oui, on va s'arranger pour vous faire entrer dans le bâtiment. Tiens, tiens, Nostrade. Alors, raconte comment ça va. Bien, disons doucement, mais sûrement. Ah, vraiment? Ah, pourtant on a pris rapidement du galon, pas vrai? C'est quand même le moins qu'on puisse dire, non? Un minable petit chef de province, qui maintenant peut parler d'égal à égal avec nous et traiter avec les 10 anciens. Et tes mains, au fait, elles n'ont rien? Vas-y, montre-les-moi que j'y jette un coup d'œil. Mes mains? Oui. À force de les frotter, tu vas finir par te faire des ampoules. J'imagine que ce doit être fatigant de dissimuler les prédictions frauduleuses. Alors si j'ai un conseil, arrête de te frotter les mains. Une fois usé, tu ne pourras plus rien en faire. Ce serait vraiment dommage. Il n'y a rien de plus moche que la jalousie chez un homme. Zenji! Arrête! Zenji, non! Hey, de quel droit il ose me toucher, celui-là? Tu es qui, un sale petit mercenaire de rien du tout? Lâche-moi! Laisse-le, Zenji! Oui, ça ne t'avancera à rien. On a compris où tu voulais en venir. Allez, laisse-le. Mieux à faire.
T'as intérêt à rester à ta place, petit minable. Vous avez le visage en sang? Ça va aller. Tous ces incapables qui se croient supérieurs aux autres envient ma réussite, alors forcément ça crée toujours des tensions. Décidément, ces types ne comprennent rien à rien. La seule chose qui compte véritablement de nos jours, c'est l'information. À ce sujet, est-ce que tu sais quelle est l'information la plus précieuse qu'on puisse détenir? Non. C'est celle qui concerne l'avenir, autrement dit les prédictions. Je parle bien sûr de prédictions exactes à 100%, en se basant sur la prophétie. On a entre les mains le pouvoir de gouverner le monde, en gravissant un à un tous les échelons. Et c'est grâce à cela que j'arriverai au sommet, mais en contrepartie, je dois m'attendre à ce que le nombre de mes ennemis augmente sans cesse. Kurapika. Oui? Je ne t'en ai pas parlé jusque-là, mais j'ai de grands projets pour toi, alors tu dois comprendre que j'attends beaucoup de ton travail. Menti une fois de plus. Évidemment, puisqu'il ne tient jamais ses promesses. Je le sais pourtant, j'aurais dû m'en douter. Ça ne fait rien. J'irai à cette vente aux enchères, que ça lui plaise ou non. Oui. Seulement, j'ignorais qu'il fallait une invitation. Oh. Et je ne l'aurai jamais à temps pour ce soir. Oh là là, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? C'est parfait, tout est en ordre. Vous pouvez y aller. Ça alors, la police collabore avec nous? Étant donné notre adversaire, oui. Le secteur entier est quadrillé par nos hommes, sur un rayon d'un kilomètre. Et quiconque tente de forcer le passage sera criblé de balles. Oui, allô? Kurapika, c'est terrible. La fille du patron s'est enfuie. Comment c'est arrivé? Elle avait décidé de faire les boutiques. Tout se passait très bien et je ne me suis pas inquiétée. Soudain, elle est partie aux toilettes pour essayer ses nouveaux vêtements et elle en a profité pour disparaître. Écoute, inutile de paniquer. Je crois savoir où elle est allée. C'est vrai? Oui. Retournez à l'hôtel et attendez les ordres. Compris. Il nous a dit de rentrer à l'hôtel et d'attendre. Apparemment, il sait où elle est allée. Bien, alors rentrons. À propos, qu'est-ce que tu penses de Kurapika? Il est en bonne voie? C'est assez difficile à dire, mais grâce à ma flûte, j'ai pu le remettre sur pied, en tout cas. Comment est-ce que ça s'est passé avec les criminels? Tu as une idée? Eh bien, d'après la mélodie de son cœur, je peux affirmer qu'il a choisi de ne pas faire équipe avec eux. Kurapika est quelqu'un de fidèle à ses convictions. Qu'est-ce que tu entends par là? Kurapika a pris une décision solennelle qui prime sur tout le reste. Il ne reviendra pas dessus. C'est une décision à laquelle il doit se tenir, et ce, quel qu'en soit le prix. Rien au monde ne pourra l'en écarter. C'est cette priorité qui a guidé son choix, et il est prêt à tout lui sacrifier. Ça me paraît bien triste, tout ça. Moi, j'en serais incapable. À quoi bon ficher sa vie en l'air en restant esclave de ses principes? Moi, je dis que c'est un crime de ne pas profiter de la vie à fond. Enfin, après tout, chacun est libre de ses choix. S'il sait où elle se trouve, alors on n'a plus qu'à rentrer. D'accord. Bien, alors qu'il en soit ainsi. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, mademoiselle, votre fille s'est enfuie. Ne vous affolez pas, je suis à peu près sûr qu'elle se rend au même endroit que nous. À la vente aux enchères? Oui, probablement. Elle veut absolument acquérir les objets qu'elle convoitait. C'est toujours la même comédie. Votre correspondant ne peut être joint actuellement. Nous vous invitons à renouveler votre appel ultérieurement. C'est pas vrai. Elle a éteint son portable. De toute façon, elle n'ira pas loin. Faut avoir une invitation officielle pour pouvoir entrer. Allô, ici Raito Nostrad. J'ai une consigne urgente à transmettre à tous les agents en faction. C'est très important. S'ils voient une adolescente de 17 ans qui tente d'entrer sans invitation, qu'ils la retiennent. Il s'agit de ma fille. Ah! C'est donc là, juste en bas, que va se dérouler la vente aux enchères. Encore merci. Ces espèces de gorilles ne voulaient pas me laisser passer. Ne me remercie pas. D'après ce que j'ai pu comprendre, ton père est une personnalité très influente. Papa ne doit pas savoir que je suis ici. Ne t'inquiète pas, je comprends. On est en avance, il reste pas mal de temps avant le début des enchères. Ça te dirait d'aller te détendre un peu au salon de thé? Oh oui. Santé. Santé. Ah, ça fait un bien fou. Il faut dire que ça donne soif de s'enfuir à toutes jambes. C'était donc si difficile? Oui.
Papa me fait surveiller sans arrêt et à la longue, ça devient étouffant. Alors dès que j'ai pu, j'ai sauté à bord du premier dirigeable et je me suis enfui. Ah oui ? Et comment tu as réussi à fausser compagnie à ton service d'escorte ? Eh bien, je suis allée faire les boutiques avec eux. Et là, j'ai acheté des trucs pour me déguiser. Je suis allée me changer et en sortant, je me suis glissée au milieu d'un groupe de filles pour passer inaperçue. Avec une perruque brune et des vêtements passe-partout, impossible de me reconnaître. Heureusement qu'ils n'ont rien remarqué. Oui, mais j'avais les jambes qui tremblaient. Je ne sais plus qui m'en a parlé, mais à ce qui paraît, tu es très douée pour prédire l'avenir. C'est vrai ? Oui, j'ai un don et des gens très haut placés me réclament. Sans vouloir être indiscret, est-ce que tes prédictions sont toujours justes ? Elles sont fiables à 100%, enfin à ce qu'on m'a dit. Comment ça, à ce qu'on t'a dit ? C'est bien toi qui fais ces prédictions, non ? Oui, mais ça s'appelle de l'écriture automatique. C'est ma main qui écrit toute seule. Ah oui ? Voilà qui a l'air intéressant. Et tu crois que tu pourrais me prédire l'avenir, moi aussi ? Oui. Kurororusifel, c'est ça ? Sans blague, tu as 28 ans, mais t'es beaucoup plus âgé que moi. Ça se voit tant que ça ? Ce n'est pas ce que je voulais dire et tu es très mignon en plus, mais t'as un drôle de nom. C'est sans doute pour cette raison que mes proches m'appellent chef. Pourquoi ça ? C'est vraiment pas mieux ? Bon, voyons plutôt ton avenir. Qu'est-ce que vous dites ? Elle vous a échappé ? On n'avait pas encore eu vos consignes lorsqu'elle s'est présentée. Elle est arrivée en taxi et elle n'avait pas d'invitation. On l'a refoulée. Elle a rouspété, mais elle a fini par s'en aller. On était sur le point de la retrouver et c'est fichu. Faites circuler sa photo partout. Vous m'entendez ? Je compte sur vous. C'est très important. Vous voulez que je la retrouve ? Est-ce que vous avez un plan de la ville ? J'en ai besoin. Et voilà, j'ai fini. Je peux regarder ? Bien sûr. Je te préviens, mes prédictions sont assez particulières. Elles se déclinent sous forme de poèmes de 4 ou 5 strophes. Il ne reste qu'à en interpréter le contenu. Chaque strophe correspond à une semaine du mois. Et donc la première concerne sans doute une période déjà écoulée. Ah oui ? Le précieux calendrier est amputé d'une partie. Le précieux calendrier est amputé d'une partie. Les lunes restantes invoqueront la vengeance. Sur la mélodie interprétée par l'orchestre en deuil, la lune argentée sera portée avec quiétude sur les hauteurs. Les chrysanthèmes qui ont perdu leurs fleurs tomberont sur la terre des yeux écarlates teintés de sang. Mais ta position restera privilégiée, même si tu te retrouves privé de tes instruments. Amuse-toi tant que tu es en scène. Cherche-toi de nouveaux compagnons. Pour récolter, il faudra être plusieurs. Alors viendra la personne tant attendue. Oh ! Tes prédictions vraiment sont impressionnantes. Et dis-moi à propos de la première strophe, qu'est-ce que... Oh, non, non ! Je t'en prie, je ne veux absolument rien savoir de mes prédictions. Question de principe, je crois qu'elles restent justes tant que je ne suis pas impliquée. Oui, c'est tout à fait naturel. Tu peux m'excuser une minute ? Je n'avais encore jamais vu un homme pleurer, c'est si émouvant. Oh, j'en ai le cœur qui bat la chamade. Moi ? D'après la réaction du pendule, mademoiselle serait déjà à l'intérieur du bâtiment. Qu'est-ce que tu dis ? Tu as entendu ? Accélère ! Bon, je crois que c'est l'heure. On y va ? D'accord. Je suis contente que ce soit toi qui aies volé à mon secours. Pourquoi tu dis ça ? Contrairement à papa, tu sembles être quelqu'un d'honnête qui dit la vérité. Est-ce que je peux te poser une question ? Oui. Il y a un passage dans tes prédictions qui fait référence à un enterrement. Est-ce que tu crois en l'existence d'une vie après la mort ? Pour tout avouer, pas vraiment, non. Il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que mes prédictions s'adressent toujours aux vivants. S'il était question d'un enterrement dans ce que j'ai écrit, ce présage ne concernerait pas le défunt lui-même, mais toi. C'est en toi que tu dois chercher le réconfort. Si tu le dis, alors c'est probablement vrai. C'est génial, non ? En vérité, ces paroles n'étaient pas de moi. Je les ai empruntées à une célèbre voyante qui a dit il y a longtemps,
Les prédictions sont là pour aider les personnes à atteindre le bonheur et à leur faire profiter pleinement de la vie. C'est pour cette raison que je choisis de ne prédire que des malheurs. Afin que ces personnes mettent tout leur cœur et toute l'énergie qu'elles possèdent à s'efforcer d'y échapper. Oui, quand elle a dit ça, j'ai tout de suite compris où elle voulait en venir et à quel point elle avait raison. Ses sages paroles m'ont donné l'envie de prédire l'avenir à mon tour. Cette voyante, ce n'était pas grand-mère Galaxie ? Si, tout à fait. Et cette femme, elle ne croyait pas à l'existence d'une vie après la mort ? Non, pas vraiment. C'est d'ailleurs pourquoi je n'y crois pas trop, moi non plus. Personnellement, je crois dur comme fer en l'existence de l'âme. C'est pour cela que je tiens à accomplir au nom des êtres chers disparus les rêves qu'ils avaient de leur vivant. Ah bon ? Et qu'est-ce qu'ils auraient voulu faire, tes chers défunts ? Tu tiens à le savoir ? Bien sûr, et comment ? Eh bien, ils auraient voulu... se déchaîner. Oh ! Mademoiselle, ça va ? Mademoiselle, qu'est-ce qui vous arrive ? Mademoiselle ! Bien. À présent, il est temps de jouer le requiem. Cheetah.